Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus le Christ, son Fils, notre Sauveur et notre Frère. Nous avons la grande joie d'accueillir aujourd'hui dans l'Église 4 nouvelles personnes. Eliane Grandcola, qui demande le baptême. Héloïse Moineau, Tom Good et Raphaël Bogard, qui demandent à confirmer leur baptême. Que toutes les familles et les amis de ces catéchumènes soient les bienvenus dans ce temple à l'oratoire du Louvre, ainsi que tous les paroissiens fidèles ou les personnes de passage. Prions ensemble. Seigneur Jésus, toi qui as insufflé ton esprit à tes disciples au jour de la Pentecôte, éclaire ce temps de prière et de culte où nous allons avoir le bonheur d'accueillir celles et ceux qui s'approchent de toi. Permets que notre louange rayonne sur toutes ces personnes comme un signe de ta gloire et de ta présence. Amen. Réunissons-nous dans la communion fraternelle, maintenant en prenant le premier chant du livret liturgique inséré au début du psautier français. Il s'intitule « Bénissons Dieu, le seul sauveur ». Et je vous invite à vous lever. Nous louons Dieu. Seigneur, nous te louons. Tu nous donnes ce jour comme une nouvelle naissance. Tu nous replaces dans ta communion avec les frères et sœurs que tu nous fais rencontrer. Par ton Esprit Saint, tu nous permets de donner vie à notre baptême et de devenir tes disciples chaque jour de notre vie. Dans la paralysie de la culpabilité, ta grâce nous apporte le réconfort nécessaire et nous délivre pour forger notre avenir. Tu nous guéris et nous remets en marche dans tes voies. C'est pourquoi nous te louons et je vous invite à prendre ensemble le psaume 81, les strophes 1, 2, 3 et 4. Psaume 81 dans le psautier français. Thank you.
Je vous invite à vous asseoir et nous nous présentons devant le Seigneur. Tels que nous sommes, nous lui présentons nos vies, assurés qu'il nous renouvelle sa grâce sans cesse. Seigneur, nous avons préféré nos désirs à ta volonté souvent. Nous avons travaillé pour nous plus que pour ton royaume, sans doute. Nous nous sommes aimés nous-mêmes plus que nous n'avons aimé notre prochain et plus que nous ne t'aimons toi-même. Pardonne-nous, Seigneur, de n'avoir pas changé, de ne nous être si peu souvent repentis. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui nous aimes en dépit de tout, change notre volonté. Et par ton pardon, accorde-nous la force et la joie de mieux t'aimer et te servir. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Et nous chantons ensemble. Le Seigneur redit sa grâce sans cesse à celui qui se tourne vers lui. Il n'abandonne aucun. Et il dit qu'il nous pardonne sans cesse. Celui qui écoute ma parole, dit son Fils Jésus, et qui croit en celui qui m'a envoyé, celui-là a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance pour cette grâce renouvelée sur nous. Et nous chantons le répond de l'annonce de la grâce. Voilà, je vous invite à vous asseoir et nous allons entrer dans la liturgie du baptême. D'accord. Eliane, Héloïse, Tom et Raphaël, nous sommes très heureux de vous accueillir ainsi que vos familles pour un moment exceptionnel pour vous et pour toute l'Église. Ce matin, vous serez admis à partager la scène du Seigneur. Eliane, tu vas recevoir le baptême. Héloïse, Tom et Raphaël, vous allez confirmer les vœux de votre baptême en témoignant de votre chemin de foi. L'Église accueille vos initiatives avec joie. Car voici la volonté de Jésus-Christ pour son Église.
Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. J'invite Eliane à me rejoindre. Eliane, cette eau que tu vois là est une eau ordinaire. Mais avec la parole de Dieu, elle deviendra l'eau du sacrement qui va manifester que tu es enfant de Dieu. Elle est symbole d'une vie nouvelle pour toi. Eliane, que demandes-tu ? Je demande le baptême. Avec l'Église universelle, veux-tu confesser la foi chrétienne ? Oui, Jésus-Christ est le Seigneur. Eliane, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors Eliane, approche-toi de moi. Si tu as peur, moi aussi, donc viens. Et quel texte as-tu choisi pour te soutenir dans ta démarche? J'ai choisi un extrait de la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. J'ai choisi cet extrait car la foi m'a fait rentrer dans la lumière. J'étais dans les ténèbres et le Seigneur a décidé de me sauver. Avant même que je ne le connaisse, Dieu m'a aimé et a décidé de me sauver. Je croyais être seule, alors qu'en réalité Dieu veillait sur moi. La foi a été la fin de ma solitude, car le Seigneur est toujours à mes côtés. La foi m'a aussi enseigné des valeurs et a renforcé les valeurs que j'avais auparavant. La foi m'a fait découvrir des amis, des personnes chères. Elle m'a fait voir sous une nouvelle lumière des personnes que je connaissais déjà. La foi est pour moi l'amour et la confiance que nous portons en Dieu et que Dieu porte en nous. Sa générosité s'est manifestée dans ma vie et sa présence me permet de surmonter toutes les épreuves. Pour conclure, je voudrais citer la première lettre aux Corinthiens. Celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Merci, Eliane. Alors.
Et j'invite Aurore, la présidente de notre conseil presbytéral, à nous rejoindre quelques instants. Bonjour à tous. Quelle émotion, joie, lumière, fierté dans le Seigneur. Et au nom du conseil presbytéral, nous sommes très fiers de ce baptême et des trois confirmations qui vont avoir lieu. La fierté est dans le Seigneur. Merci de nous le rappeler. Les pasteurs nous ont demandé de vous offrir une Bible. Elles ont mis un petit mot personnel à chacun. Vous allez le découvrir en toute intimité. Tom, pas tout de suite. Pardon. Tom, tu attendras. C'est normal, excusez-moi. Eliane, voici ta Bible. J'espère qu'elle t'accompagnera dans ton chemin. Alors maintenant, j'invite justement Tom, et Louise et Raphaël à se lever. Et également, je vais demander à l'Assemblée de préparer le cantique numéro 204. Et nous chanterons les deux strophes, mais au moment où je vous l'indiquerai. Voilà. Alors, Tom, et Louise et Raphaël, l'amour de Dieu vous a conduit jusqu'à ce jour où vous allez recevoir la confirmation de l'alliance de votre baptême et où vous allez partager avec nous le pain et le vin de la scène. Mais c'est dès votre enfance ou dans votre jeunesse que vous avez été accueillis par l'Église, qui vous a guidé sur le chemin de la vie chrétienne, au moyen de l'école biblique, du catéchisme et de toutes les rencontres que vous avez pu faire dans l'Église. Vous avez été appelé à découvrir la parole de Dieu. Et depuis le commencement et jusqu'à aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu qui a guidé vos pas, et c'est en comptant sur cet amour que vous pouvez vous engager librement au service de Dieu et des autres. Aujourd'hui, vous déclarez publiquement mettre votre confiance en Dieu. Chaque jour, il vous donnera la force de persévérer dans votre foi et dans l'écoute de sa parole. Il marchera à vos côtés du même pas que chacun et chacune de vous. Il vous donnera la joie, le courage et le réconfort dont vous aurez besoin. Quelles que soient les étapes de votre vie que vous aurez à franchir, rien ne pourra vous séparer de l'amour que Dieu vous a témoigné en Jésus-Christ. Vous, parents, parrains et marraines, qui avez la joie de voir vos enfants parmi ces catéchumènes, c'est ensemble que nous les entourons de notre affection et c'est ensemble que nous nous rappelons le baptême que nous avons reçu, quelle que soit notre confession d'origine. Dieu nous invite à nous enraciner dans la grâce qu'il a offerte pour toujours. Héloïse, Tom et Raphaël, croire en Jésus-Christ, c'est mettre sa confiance en lui, car il est notre Sauveur. C'est s'engager à se mettre à son écoute, car il est celui qui nous aime. Avec le secours du Saint-Esprit, vous vous efforcerez de vivre en chrétien, en aimant Dieu de tout votre cœur et votre prochain comme vous-même. Toute la vie de l'Église, en particulier le culte et la Sainte Cène, la lecture de la Bible et la prière sont les moyens que Dieu nous donne pour persévérer dans la foi que vous allez maintenant confesser. Alors, Héloïse Moineau. Héloïse, que demandes-tu ? Je demande la confirmation de mon baptême. Avec l'Église universelle, veux-tu confesser la foi chrétienne ? Oui, Jésus-Christ est le Seigneur. Héloïse,
Quel passage biblique as-tu choisi pour te soutenir dans ta démarche ? J'ai choisi la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens, chapitre 4, versets 6-7. « Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » C'est un passage rassurant sur la présence de Dieu à nos côtés tout au long de notre vie et dans toutes les circonstances. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire ma confirmation. C'est un choix que je fais de croire en Dieu. Et je sais que Dieu est avec moi durant cette étape de ma vie. Tom Good. Tom, que demandes-tu ? Je demande la confirmation de mon baptême. Avec l'Église universelle, veux-tu confesser la foi chrétienne ? Oui, Jésus-Christ est le Seigneur. Tom, je te confirme dans l'alliance de ton baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et quel passage de la Bible as-tu choisi pour soutenir ta démarche ? J'ai choisi un passage de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 5, versets 5 à 9. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » J'ai choisi ce passage car avec ma confirmation, j'ai l'impression qu'un monde s'ouvre à moi pour me permettre de devenir un jeune adulte. La confirmation m'aide à marcher. Le « lève-toi et marche » de Jésus me donne du courage pour avancer dans la vie. Je voulais tout d'abord faire ma confirmation dans le cadre d'une démarche personnelle. Cela me permettra de grandir et de mûrir. Je me sentirai plus autonome et plus près de Dieu. La confirmation est une étape dans la vie. Merci beaucoup. Raphaël Bogard. Raphaël, que demandes-tu ? Je demande la confirmation de mon baptême. Avec l'Église universelle, veux-tu confesser la foi chrétienne ? Oui, Jésus-Christ est le Seigneur. Raphaël, je te confirme dans l'alliance de ton baptême. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et quel passage biblique as-tu choisi pour te soutenir dans ta démarche ? J'ai choisi le passage de la Genèse, chapitre 28, versets 13 à 15. Jacob a un songe. Et voici l'Éternel dit : Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père est le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je dis. » J'aime ce passage, car il signifie la confiance réciproque envers Dieu. Je sais qu'il me suivra et me guidera partout où j'irai et que je pourrai m'appuyer sur lui. Il ne m'abandonnera jamais, car je lui fais confiance. La Bible m'est importante, car elle témoigne de la parole de Dieu, qui va m'accompagner tout au long de ma vie et m'aider dans
dans des moments difficiles. Je fais ma confirmation car je pense avoir acquis un avis personnel sur la religion protestante. Je choisis donc ce moment pour confirmer le choix de mes parents, qui a été de me faire baptiser. Ainsi, je confirme mon baptême pour moi-même afin de poursuivre dans la foi. J'ai confiance en mes proches, en l'Église et en Dieu. Je vous invite à chanter maintenant le cantique numéro 204, les strophes 1 et 2. Héloïse, Tom et Raphaël, en confessant votre foi au Dieu de Jésus-Christ, vous vous placez avec nous dans son amour. Vous avez désormais votre place à la table du Seigneur et votre part au travail de l'Église. Que le Saint-Esprit affermisse votre foi, vous accorde ses dons et vous les renouvelle jour après jour. Prenez place, et j'invite Aurore à me rejoindre une autre fois. Ah non, ça va.
Alors Tom, je ne vais pas commencer par toi, je vais commencer par Héloïse. Héloïse, tu nous as rappelé que c'était un choix. C'est donc un choix raisonné. Au nom de l'Église de l'Oratoire du Louvre, je t'offre cette Bible. Tom, comme tu nous l'as expliqué, pour avancer, pour te faire grandir, pour faire ton chemin dans la vie. Raphaël, confiance, c'est ce que tu nous as dit, confiance. Alors, j'invite donc chacun à reprendre sa place. Et quand même, nous allons chanter. Et donc, nous allons nous lever, ça fait rien. Cantique numéro 178, les strophes 1, 2, 3 et 6, dans le recueil Louange et prière. Cantique 178. Place. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, nous lirons ces versets. Un homme de la foule répondit à Jésus: « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents, devient raide. J'ai prié tes disciples de chasser cet esprit, mais ils n'ont pas pu. » Génération incrédule, dit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. On le lui amena. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit s'agita avec violence. Il tomba, se roula par terre. Et Jésus demanda au Père: depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Depuis son enfance. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit: « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria: « Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous, sanctifie-nous par la vérité.
Amen. Donne-nous, ô Dieu, d'accueillir ta parole. Comme l'oiseau reçoit l'espace avec le grain, comme l'ami reçoit l'ami, comme la nuit reçoit l'aurore et le soleil, comme le sol reçoit la semence, comme la sève monte aux branches et porte du fruit. Donne-nous, Seigneur, d'accueillir ta parole. Amen. Eliane, Héloïse, Tom, Raphaël, amis, frères et sœurs, je crois, viens au secours de mon manque de foi, dit le père de l'enfant malade à Jésus qui est à ses côtés. Voilà, me semble-t-il, résumé en une seule phrase l'itinéraire de tout être humain à travers les âges, depuis que l'homme cherche Dieu. Et cet itinéraire est souvent difficile. Voilà pourquoi j'ai choisi de garder cette parole pour aujourd'hui. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Pour vous, chère Eliane, Héloïse, Tom, Raphaël, qui venez d'être baptisés ou de confirmer votre baptême il y a quelques instants. Chacun d'entre nous est heureux de vous accompagner aujourd'hui. Pourtant, il faut le dire, nous avons eu quand même une drôle d'année pendant laquelle nous ne nous sommes pas vus pendant plusieurs mois. Et il y a encore quelques jours, nous étions dans l'incertitude la plus complète de savoir si nous pourrions nous rassembler aujourd'hui dans ce temple. Mais il est vrai que cette incertitude est moindre par rapport à celle de l'homme de notre histoire. Vous avez sûrement remarqué comment l'homme de notre récit est touchant. Son enfant souffre de convulsions, il est au plus mal. Le père de cet enfant est dans la plus grande incertitude de sa vie. Il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus comment espérer ni quoi espérer. Jésus est là, demande qu'on lui amène l'enfant. Jésus est en quelque sorte le dernier recours du père. Si tu peux quelque chose, viens à notre secours par pitié pour nous. L'homme est en face de Jésus, il est en face à face avec lui, il dialogue avec lui en toute simplicité et sans artifice. Jésus lui dit : tout est possible à celui qui croit. Et le Père répond en se positionnant personnellement. Et courageusement, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité ou de mon manque de foi. Et c'est certainement là la réponse la plus lucide de toutes les phrases humaines de l'Évangile. Cet homme est en train de dire : j'ai la foi, Seigneur,
Viens au secours de mon manque de foi. Finalement, je sais bien que quelque part, au fond de moi, je ne crois pas à 100%. J'ai confiance, oui, j'ai confiance, mais viens au secours de mon manque de confiance parce que je sais bien qu'au fond de moi, je n'ai pas totalement ou je ne fais pas totalement confiance à 100%. Alors cette phrase est extraordinaire pour un jour comme aujourd'hui, c'est pour ça que je souhaite la garder. Extraordinaire pourquoi ? Parce qu'elle exprime le paradoxe qui existe en chaque personne croyante ou en chaque personne qui cherche le divin par tous les moyens. Amis, frères et sœurs, alors que nous sommes réunis pour accompagner Eliane, Héloïse, Tom et Raphaël, alors que nous sommes les témoins privilégiés de leur confession de foi personnelle, au moment où nous avons entendu ce qu'ils avaient à nous dire de leur foi en Dieu, de leur confiance en la vie, peut-être serions-nous tentés de poser une appréciation, voire un jugement sur ce qu'ils ont dit, ce qu'ils auraient pu dire ou ce qu'ils auraient dû dire. Alors, nous garderons pour nous-mêmes, en fond d'écran de nos mémoires, la phrase de cet adulte, à la fois assuré et désemparé. « Je crois, mais viens au secours de mon manque de foi. » La phrase de cet homme est une prière, je dirais même plus, une prière de supplication. Nous pouvons y entendre un accent de détresse dans sa voix. L'homme est dans une sincérité désarmante, proche de l'abandon. Il ne semble offrir aucune résistance. De cette façon, il accède à la vérité qui est en lui-même, à la vérité de son impuissance face à la santé de son enfant qui lui échappe. Mais dans cette vérité qu'il énonce, « Viens au secours de mon manque de foi », il entre dans une relation vraie avec Jésus et par son intermédiaire, dans une relation vraie avec Dieu, alors qu'il ne peut plus, ou qu'il ne sait plus, ou qu'il n'ose plus être en relation avec son enfant malade. Alors nous avons notre propre manière de prier. Certains, c'est en faisant la vaisselle ou en contemplant la nature. D'autres, c'est en voiture ou dans le métro. D'autres encore, c'est ceux qui préfèrent le secret de leur chambre. Ou alors, prier en chantant dans la salle de bain. Il y a aussi tous ceux et toutes celles qui préfèrent la communion fraternelle au culte le dimanche. D'autres, enfin, ne disent strictement rien. Ils pensent peut-être qu'ils ne savent pas prier comme il faut. Mais la prière, si courte ou si longue soit-elle, et même silencieuse, est une façon d'être en relation avec ce que nous appelons Dieu. Mais c'est tellement difficile d'être en relation avec l'invisible, ou alors avec ce que l'on n'entend même pas. Difficile d'être en relation avec une présence qui n'est pas reconnaissable ou qui ne semble pas se manifester. La prière, ai-je entendu une fois, mais c'est comme si on se parlait à soi-même. Si nous espérons une réponse, elle ne viendra pas de façon automatique. Il faudra patienter, être attentif à toutes les formes de réponses qui pourront être données, et parfois, il y a de quoi se décourager. Alors la phrase de cet homme est une parole libératrice pour tous. Il dit que même quand on croit, on peut encore et toujours demander de l'aide. Croire, avoir la foi, ne fait pas de nous des surhommes. Alors ça, c'est un terme qui est tout à fait homologué. Je rajoute aussi des surfemmes. Ça, c'est moins homologué, mais quand même. Bref, en tout cas des surhumains.
pas même les plus grands pasteurs, pas même les plus grands théologiens, pas même les grands réformateurs, pas même les personnes de notre entourage les plus engagées, ni même les plus grands mystiques de l'histoire ne croient à 100%. Rappelons-nous encore de la surprise qui avait été ressentie lorsque l'on avait appris à la mort de Mère Teresa, qui s'était engagée totalement auprès des enfants les plus démunis au Caire, qu'elle avait passé sa vie de foi dans le doute. Mais le doute, c'est ce qui nous permet de ne pas tomber dans la tentation de la toute-puissance ou de la course à la perfection. Alors, en écoutant vos témoignages de foi, vous avez parlé, chacun à votre manière, de la confiance, de la lumière, d'un compagnonnage de Dieu à vos côtés. Et je voudrais partager cette citation de Maurice Bellet, un théologien catholique contemporain qui a écrit « Le seul Dieu que nous pouvons supporter désormais, ce n'est pas le Dieu des hauteurs, c'est le Dieu qui est avec nous dans les ténèbres. Si Dieu est, il est en l'homme ce point de lumière que rien n'a puissance de détruire. » Comme vous le savez ou comme vous le découvrirez, rien n'est acquis, pas même la foi dont nous témoignons aujourd'hui. Chaque étape de la vie ne nous met à l'abri ni du questionnement, ni de la recherche, ni de la confrontation avec le savoir, la raison, la science ou toute forme de connaissance. La foi n'a pas réponse à tout, mais elle nous aide à nous situer autrement. Elle nous donne en quelque sorte l'autorisation d'approfondir ce que nous découvrons de la vie, de Dieu, des autres. Et comme l'a dit l'un d'entre vous, elle met en lumière ce qui aurait pu rester dans l'obscurité. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Cette apparente contradiction que l'on pourrait ressentir comme un conflit intérieur est en réalité salutaire, autrement dit profitable et tonique, car c'est ce qui fait avancer dans la vie. Ce tout petit « je crois » nous encourage de commencer dans la vie avec la foi que nous avons et non pas avec celle que nous aimerions avoir. Le souci que nous rencontrons parfois et qui transforme quelquefois nos vies d'une drôle de manière avec ce sentiment de culpabilité, c'est la comparaison qui s'exerce entre les uns et les autres. Il peut nous arriver de vouloir une foi différente, plus solide, plus enracinée, ou alors nous aimerions croire autrement ou croire à la manière de quelqu'un d'autre. Alors lorsque nous disons notre prière, même muette jusqu'au bout, « Viens au secours de mon incrédulité ou de mon manque de foi », nous acceptons de nous placer devant quelqu'un dont on peut recevoir une aide. Qu'elle vienne de Dieu, souvent par l'intermédiaire d'un prochain, la plupart du temps inattendu, nous acceptons de nous décentrer de nous-mêmes et de recevoir une énergie qui vient de l'extérieur, un geste qui nous redresse, une parole qui nous libère et qui nous fait tenir debout quand même. Et le pasteur Wilfred Monod écrivait « La foi est un quand même ». C'est d'ailleurs le titre de son dernier livre paru après sa mort. « Quand même », le vrai nom de la divinité chrétienne. Et ce « quand même » est une parole qui guérit de la même façon que dans l'histoire de l'Évangile partagé aujourd'hui. On pense que c'est l'enfant possédé qui a été guéri par Jésus. Certes, il a été guéri par Jésus. Mais en y regardant de plus près, une autre personne a été aussi guérie. C'est le père de l'enfant.
Au départ, le Père dit à Jésus, « Si tu peux, fais quelque chose par pitié, je sais que tu peux guérir. » Autrement dit, il s'adresse à Jésus comme il s'adresse au médecin de la dernière chance. Alors Jésus, déconcerté, répond, « Mais si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. » Et là, le Père prend cette réponse pour lui-même et il est mis face à son manque de foi qu'il peut dire sans honte ni culpabilité. Je crois, viens au secours de mon manque de foi, en disant qu'il ne croit pas pleinement, non seulement il permet la guérison de son enfant, mais il permet aussi sa propre guérison. Sa guérison étant la lucidité sur lui-même, il passe du « je sais » à « je crois » tout en prenant conscience de son si peu de foi. Alors, chère Eliane, Héloïse, Tom et Raphaël, c'est exactement tout ce que je vous souhaite. Et aussi Béatrice qui se joint à moi, et aussi l'Église avec nous, c'est tout ce que nous vous souhaitons. Restez toujours lucide sur vous-même. D'une part, mais d'autre part, restez lucide sur le monde qui vous entoure, qui nous entoure. Vous nous aiderez à ce que nous restions lucides, nous aussi. Les incertitudes ne manqueront pas dans votre vie. Les joies, certainement. Mais les incertitudes aussi. Des déceptions, des trahisons, des abandons vous feront douter de la foi que vous professez aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, et dans la mesure de votre possible, prenez le temps de vous placer devant Dieu, même quelques instants, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez plus, même si un jour peut-être vous prenez conscience que vous n'y croyez plus. Parce que reconnaître qu'on ne croit plus, c'est être sur le chemin de la foi, c'est se donner une chance de croire à nouveau. C'est rester ouvert à l'inattendu. Rappelez-vous que la foi que vous avez professée aujourd'hui dans l'innocence de votre adolescence sera votre quand même dans l'âge adulte, comme ce point de lumière que rien n'a puissance de détruire. On croit toujours que les miracles viennent d'en haut, mais en réalité, ils viennent d'en bas, dans ce fameux face-à-face avec nous-mêmes et du face-à-face avec Dieu, dans la prière. Alors, prenez le temps de ces face-à-face. Et si jamais il vous venait un jour des paroles de révolte dans votre prière, c'est possible, hein ? N'en ayez pas peur. La révolte n'est pas que négative. Elle possède sa part positive de créativité pour faire triompher la vie sans cesse menacée ou contrariée. C'est même l'espérance de Dieu à notre endroit. Aujourd'hui, chacun à votre manière, vous choisissez de traverser la rivière de la vie avec une parole de la Bible que vous avez voulu partager avec nous. Vous nous avez très bien dit comment et en qui vous faites confiance avec ce qui fait l'ordinaire de votre vie en ce moment, là où vous en êtes maintenant. Vous nous offrez chacun quelque chose d'unique à partager et vous nous donnez l'occasion à nous de grandir dans notre propre foi. Parce que vous nous donnez ce que vous avez reçu pour qu'à notre tour nous fassions de même et que nous devenions de meilleurs témoins grâce à vous. Et avec vous, nous pourrons dire dans le secret de notre cœur, dans l'ordinaire de nos propres vies, je crois, mon Dieu, oui, oui, je crois. Mais je t'en prie, là où j'en suis, viens au secours de mon manque de foi, pour que le si peu de foi que j'ai
grosses comme une graine de moutarde, grandissent et ressemblent un jour à un arbre où tous les oiseaux du ciel pourront y faire leur nid. Permets aussi, Seigneur, que jamais je n'oublie cette autre promesse. Tout est possible à celui qui croit. Ainsi, malgré toutes les incertitudes, nous confesserons notre foi quand même et nous découvrirons que finalement, c'est encore Dieu qui croit en le meilleur de nous-mêmes. Amen. Dans le recueil Louanges et prières, nous allons chanter le cantique numéro 171, les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique 171, et je vous invite à vous lever. Thank you.
Voilà, on va partager peut-être maintenant quelques annonces. Merci beaucoup, Agnès, pour cette prédication qui nous remet dans tout le questionnement de notre propre foi. Merci. Merci à Alexandre Korowitz qui est avec nous aujourd'hui à l'orgue. Et nous avons cette semaine quelques annonces. Donc la pause spirituelle que Agnès anime. Donc depuis l'été, nous avons lancé cette initiative et Agnès animera la pause spirituelle jeudi midi. C'est à midi et demi. Sauf que jeudi, c'est toi. Oh, pardon. Excusez-moi. Oui, alors je remplace Agnès parce que en général, c'est elle qui l'anime. Et donc, merci beaucoup. Oui, en effet, Agnès a un engagement extérieur. Et donc, je serai jeudi, ne t'inquiète pas, je serai à la pause spirituelle jeudi. Voilà. Nous avons aussi un grand événement qui arrive, qui est le 4 octobre. Nous allons pouvoir reconnaître le ministère du Conseil presbytéral qui a été élu dans notre Église. Et donc c'est un moment très important que nous avons choisi de partager avec notre ami le pasteur Vincent Hubac qui viendra pour cette reconnaissance de ministère présider le culte. Donc merci à Vincent pour le 4 octobre, merci d'être avec nous et merci à vous tous de pouvoir être là pour entourer nos conseillers presbytéraux, pour nous entourer, Agnès et moi, avec toute cette nouvelle équipe qui s'est mise au travail et nous vivrons donc ce moment très important ensemble ici. Nous avons une autre annonce qui est très importante et que nous avons faite déjà dimanche dernier, c'est que notre Église a besoin de vous, de votre soutien renouvelé et je dirais même de votre soutien augmenté sur la question des finances, puisque nous avons évidemment une conjoncture un peu spécial, vous le vivez tous vous-même dans vos vies personnelles, j'en suis sûre. Et donc vous savez à quel point nous avons besoin d'être solidaires les uns des autres et nous avons besoin donc de l'effort de chacun financièrement pour que cette Église continue à annoncer une parole de vérité, de liberté surtout à tous ces jeunes qui nous rejoignent dans la catéchèse, dans l'éducation biblique et puis que nous puissions continuer à propager cette parole de vie dans notre monde. Donc voilà, nous comptons sur votre soutien. Vous avez été très généreux dimanche dernier, nous vous en remercions. L'appel a été entendu et il faut qu'il continue à être entendu. Merci beaucoup. Merci. C'est le moment de l'offrande. Donnez le cœur joyeux avec l'évidence que votre don, c'est ce que le Seigneur vous a donné lui-même. Merci. Il y aura le panier digital qui va circuler. C'est Julia Toisson, notre trésorière, qui vous le propose. Donc si vous avez uniquement une carte bleue ou si vous souhaitez régler votre offrande de cette manière, vous pouvez lever la main et elle viendra à votre rencontre. Merci.
Voilà, une autre annonce que j'avais oubliée, il y aura un concert le 4 octobre, donc l'après-midi, concert ici, samedi, à l'Oratoire du Louvre, donc un concert cet après-midi du 3 octobre. J'ai aussi une autre annonce à faire, et particulièrement orientée vers vous, qui êtes lycéens ou lycéens, j'imagine, bientôt. Ah oui, ça y est, c'est fait. Surtout, continuez à être vigilants avec vos masques. Vous avez vu que nous sommes dans une situation un peu particulière où nous sommes obligés de faire très attention à tous. Et c'est une façon pour nous de vous donner peut-être votre première mission de confirmement. C'est d'aller dire aux autres que ce n'est pas accessoire. Parce qu'évidemment, quand vous sortez du lycée, j'imagine que vous n'avez qu'une envie, c'est retirer le masque et discuter tous ensemble. Pensez à vos frères et sœurs dans notre société et faites attention à tous. Voilà. Je voulais lancer cet appel-là parce qu'on se rend compte que malheureusement c'est difficile parfois à respecter, et je suis sûre qu'en pensant à ça, vous le ferez. Et pour cette même raison, aujourd'hui nous n'allons pas pouvoir partager la scène avec toute l'Assemblée. Nous avons décidé quand même de faire, avec le quand même, de faire une sainte scène avec les confirmants, pour qu'ils puissent vivre ce moment important dans leur vie et leur offrir cette possibilité, quand bien même nous ne pourrions pas tous partager cette communion avec eux. Du coup, l'Assemblée qui est ici sera en communion spirituelle avec ceux qui vont communier maintenant. Mais je vous invite donc à préparer pour tout à l'heure votre cantique avec le cantique 150, le cantique de résurrection, dans le louange et prière. Et vous pourrez chanter pendant que les enfants prendront, et Eliane, pardon, pourront prendre la communion. Merci beaucoup à vous de comprendre cette situation exceptionnelle, mais il nous a semblé essentiel que nous puissions offrir cette opportunité de prendre une sainte scène pour ces jeunes qui ont déjà attendu beaucoup leur confirmation. Je vous invite à vous réunir dans la prière au moment où nous entrons dans la liturgie de la scène. Nous louons le Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de son règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau, d'où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. C'est pourquoi, avec celles et ceux qui ont vécu et proclamé cette espérance pendant tant de siècles, avec ton peuple assemblé ici et partout, nous célébrons ton nom et nous te chantons. Thank you.
Et j'invite les confirmants et Eliane à nous rejoindre autour de cette table dès maintenant pour entendre l'institution de la première scène que vous allez vivre. Faites un cercle autour de la table. Vous voyez comme il faut être nombreux pour faire un cercle. En fait, c'est compliqué quand on n'est pas assez nombreux. Alors, dans votre cœur, faites aussi cette communion, ce cercle aussi autour de nous. Merci. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Invité à partager son repas, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection. Et dans la confiance, nous nous unissons dans la prière les uns pour les autres. Nous te prions pour chacun et chacune de nous ici présents. Guide-nous dans notre vocation. Nous te prions pour celles et ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, quelle qu'en soit la raison. Bénis-les là où ils sont. Nous te prions pour celles et ceux qui souffrent de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Nous te présentons les victimes des catastrophes naturelles, de l'injustice, de la guerre, des attentats, et celles et ceux qui pleurent un être cher sans trouver la consolation. Nous te prions pour celles et ceux qui ont demandé le secours de notre prière et que nous te nommons dans le profond de nos cœurs. Nous te prions pour les jeunes, mais aussi pour les adultes qui font cette année et peut-être même aujourd'hui même leur entrée dans l'Église universelle à travers le monde. Rappelle-nous qu'aucune dénomination ne peut prétendre délimiter l'amour de Jésus-Christ. Nous te prions pour les personnes qui vivent leur foi autrement que nous et que nous rencontrons à l'occasion du dialogue interreligieux ou des dialogues écuméniques évangéliques. Nous te prions pour la paix dans notre monde. Accorde aux dirigeants de nos différents pays suffisamment de sagesse et d'amour afin qu'ils recherchent toujours la justice et la paix. Envoie sur chacun et chacune de nous ton esprit, que nous puissions communier au corps et au sang de ton Fils et qu'ainsi, unis à lui, nous portions la lumière, la paix et l'espérance. Et c'est dans cette confiance renouvelée que nous te disons la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous chantons « Par toi » pour cette fête dans le numéro 205, la deuxième strophe. Oh.
que nous partageons est communion au corps du Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous invite à chanter ensemble le cantique « À toi la gloire ». Nous prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce repas. Tu nous as rendus proches de toi. Élargis l'espace de notre vie. Donne-nous d'accueillir les êtres et les événements qui surviennent sur nos chemins. Nous ne pouvons pas faire cela sans toi. Accorde-nous, Seigneur, ta force et ton amour. Amen. Et nous restons debout pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'amour de Dieu, qui dépasse absolument tout ce que nous pouvons imaginer, garde vos cœurs et vos pensées dès maintenant et à jamais. Allez dans l'amour de votre Seigneur. Amen. Et en conclusion de ce culte, nous prenons le dernier répond qui se trouve dans la liturgie qui était proposée au début dans le psautier français. C'est le dernier cantique.
Ensuite, nous aurons un petit moment d'orgue et nous sortirons et nous vous invitons à laisser vos cantiques et vos psautiers sur votre place, s'il vous plaît. Merci infiniment. Ils seront ramassés ultérieurement. Voilà, je vous invite à vous asseoir pour entendre l'orgue. Et puis, les parrains et marraines des confirmants peuvent s'avancer pour signer les registres avec nous, merci beaucoup.